C'est un match de DH comme on en voit tous les dimanches sur les terrains sartois. Sur la pelouse, Le Mans FC la s'use. Pour les Mansots, oubliez le standing de la Ligue 2, le MM Arena et le niveau professionnel. Quoique, en fait, tout se passe dans les tribunes. Des supporters du virage sud, supporters du Mans. Mégaphones, drapeaux, maillots, tambours et des dizaines de chants. La totale, pas banale à ce niveau du football français, l'équivalent de la 6e division. Il y a deux clubs qui l'ont fait, il y a Toulon et il y a Le Mans aujourd'hui. Les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de supporters nous suivent via nos Facebook et se félicitent de ça. Honnêtement, on est contents à faire à la SUS plus de quasiment 90 personnes, c'est quand même relativement énorme. Ces supporters-là reviennent de loin. 2013, le club qui dégringole de 5 divisions, les dirigeants qui démissionnent en masse et les copains qui partent. En Ligue 2, le virage sud comptait encore 700 membres. Le Mans UC. Oui, mais voilà, Le Mans pour eux, c'est comme une seconde peau. On adore, c'est notre équipe, on est fanatiques et puis voilà, c'est comme ça. C'est dans le sang, vous savez, on lâche pas. Si les joueurs apprécient le soutien inconditionnel du virage sud, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Fabien Laloux est dirigeant de l'USG Sellar, adversaire direct du Mans FC. Aujourd'hui, il est là en tant que spectateur. Mais quand son équipe a croisé le virage sud en février dernier, ça n'a pas été grandiose, comme il dit. Fumigène, insulte par rapport aussi à nos joueurs. Et arracher grillage, voilà. Après en DH, on est en DH, on n'est pas non plus en L2, après on n'est pas non plus des pros. Adulé ou mal aimé, le virage sud ne laisse en tout cas pas indifférent. Son ciment, un mélange de fierté, de nostalgie et d'ambition pour les années à venir, mais aussi un nom, le MUC 72, l'ancienne dénomination du Mans FC. Ils l'ont d'ailleurs clairement dit aux dirigeants, la saison prochaine ce sera le Mans UC, sinon vous pourrez dire au revoir au virage sud et à ses supporters. Nous sommes des enfants.